Diaspora a dit yo pap campé qui donc mobilisation a toujours fait 18 juin qui a venu là. Nous a marché vers un renouvellement de état d'urgence sanitaire en dans pays d'Haïti. Guylande Mezadieu qui c'est présidente CEPA t'a fait connaître que référendum dans lui-même c'est renvoyé li pas annulé. Maître André Michel contesté décision président Jovenel Moïse prend yon façon plus tard reconduit Claude Joseph nan tête la primati en dans pays. C'est entre autres informations que nous portons pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans la rubrique information ça. Ou même qui fait tomber sur chaîne n'a mandé pour abonner. Et ou même qui t'es abonné déjà, n'a mandé ou pour continuer like, commenter, partager, yon façon pour ka aider nous bousquer puis bon information pour toujours. Pas oublier, si vous abonnez, faut que vous cliquez sur petit cloche notification, yon façon pour pas perdre pièce l'autre vidéo qui gagne pour venir là. Hier, tu as eu une situation qui était vraiment compliquée sur route aéroport côté groupe armé t'es décidé et bien péter cartouche et rentrer dans quelques entreprises privées une façon pour yon te ka à l'écraser briser. Mais bien heureusement, la police t'es venue contrôler la situation et yon te fait une façon pour yon te ka faire groupe armé ça et bien yon replier qui donc policiers ont demandé population pour yon toujours pote aide yo pour unir ensemble avec yo yon façon pour travailler la li même li ka continuer fait plus passer 10 moun mouri nan affrontement armé cité soleil commissariat la saline nan te arrivé boulet et encore une autre fois yo te prend d'assaut sous commissariat portail Saint Joseph là que policier ou même yo te prend contrôle nan men base craché du feu. Heureusement que la police te getan pran tout bagay en main yon façon pour te ka éviter yon bain de sang sous route aéroport. 18 juin c'est date que diaspora en bien te kembe yon façon pour te ka al manifester devant ONU pour te ka mande département d'état américain suspendre supporter président de facto Jovenel Moïse nan tête pays d'Haïti. Suspendre supporter yon président qui a fait crime sans rete yon façon pour li ka kembe pou voile. Donc diaspora sa yo malgré yon te rencontre département d'état côté yon te gen yon feuille de route qui te gen plusieurs points dont yon nan point sa yo normalement c'est départ immédiat de président Jovenel Moïse sous pouvoir. Puisque non seulement mandat fini, mais li pap régler rien que kembe pays a nan gorge. Mais aussi, yote gen yon lot point qui était assez important, qui c'est pour Américains dépêcher plusieurs experts yon façon pour yon kavin aider police nationale d'Haïti a mette l'ordre nan désordre pour pays a katoune stable encore yon lot fois. Kon sa tout, yo te profite mande yon gouvernement de transition kap dure 2 ans, distance pou calme, ensemble avec sécurité tourne nan pays a yon façon pour yo ka organise élection libre, honnête et transparente que les États-Unis li même li ap mande ya. Kon sa tout, diaspora sa yo yo pa te met gran men yo pou yo te reproche département américain de trahison envers pays d'Haïti, mais aussi yo fait comprendre que département lui-même li impliqué dans tout ça qui de mauvais qui a passé actuellement là en dans pays a, puisque selon diaspora sa yo eh bien y a supporté yon gouvernement autocrate et pays d'Haïti mérite yon président qui pou t'attendre vers la démocratie, puisque nous connaissons que Haïti c'est un pays démocratique que lié. 18 juin qui a venu là, eh bien, diaspora sa ou malgré rencontre ça, pral devant ONU yon façon pour yon ka manifester pour yon mande départ immédiat du président Jovenel Moïse sous pouvoir. Yon paquet l'autre organisation politique et parti politique pat met de nan bouche tout pour yon te mande mission OEA pour yon pa kite président Jovenel Moïse fè élection en de pays ya, puisque yon pa ka fè élection ensemble avec yon président de facto et même organisation politique sa yo aller sous même branche ensemble avec diaspora haïtien yon façon pour ta faire comprendre que mission OEA li même gen en pile pour ensemble avec dégradation
sécurité en dans pays d'Haïti actuellement là. Claude Joseph reconduit dans tête la primature pour un autre 30 jours encore. Président Jovenel Moïse qui gagne assez de confiance et bien dans bras droit Claude Joseph t'a décidé remettre dans tête primature et Claude Joseph bon côté parle profiter normalement mandé opposition pour yon longe men, pour yon pren sa ke Jovenel Moïse même aptan yon a, yon façon pour yon ka aller vers dialogue pour aider pays d'Haïti sorti nan situation de crise infernale sa ke li a vive déjà depuis plusieurs années. Dialogue, c'est celle façon que nous ka rive vers yon résolution de cette crise selon Premier ministre pour un petit bout de temps. Claude Joseph, et lui fait comprendre que la continue travail yon façon pour l'ordre ak la paix ka rétabli en dan pays. Référendum annulé, référendum renvoyé. Son discussion qui poko jam ka fini. Joseph Lambert, qui se président du Sénat, invite à revendiquer décision que les États-Unis prennent pour lui dire que li oppose ensemble avec réalisation référendum en dan pays d'Haïti, puisque d'après sénateur, il était mené un combat qui justifiait contre réalisation référendum si la. Yon paquet lot moun tou a fait comprendre que yon annulé référendum nan. Mais Guiland Mezadieu, qui se président CEPA, et bien fait connaître exactement que référendum nan li même li pa annulé, puisque yon continue à travailler d'arrache-pied, yon façon pour yon arriver vers réalisation et surtout pour yon ka jwenn yon lot date pour yon ta réaliser. Gen plusieurs matériels qui gen tan atterri nan pays ya pour 9 départements à l'excepté de l'Ouest, yon façon pour ka réaliser référendum si la. Donc d'après Guiland, c'est parce que ka coronavirus yo a augmenté yon façon yon pou ka comprendre nan pays ya qui fait yon obligé renvoyer et que yo poko ka bay yo date pour référendum si la fête. N'a praplo que moun port de paix te déposé pied yo à terre yon façon pour te ka manifester pour mande CEPA bay yon date rapide yon façon pour référendum ka réaliser pour ka al voter pour yo ka joindre nouvelle constitution ça qui a yon lueur de changement pour pays d'Haïti. N'attendé Guiland Mezadieu normalement nan yon ti bout conférence de presse. Pour moi même jusqu'à présent nous nan référendum. Parce que moi capable di nous gagnons tout matériel nou yo qui déjà là sous place, nous gagnons centre de vote nou yo qui déjà là, nous gagnons tout ça nous besoin pour référendum nan fait. Si référendum nan gen pour pas fait, ça pas dépend de nous. Parce que nous-mêmes, au niveau du conseil électoral, nous travaillons vers le référendum et pour nous aller directement dans l'élection. Tout ça, nous avons pour nous faire, qui pour permettre que la consultation populaire, qui se référendum en fait, nous la donne. Effectivement, nous reportons le jour scrutin là, mais ça ne veut pas dire que nous campons le travail sur ce processus-là. C'est sûr que nous gagnons représentants en différentes directions ici là, qui est ensemble d'activités. Effectivement, activité formation yo vient un petit crasse ralenti par rapport à quantité monde pour nous mobiliser. Mais ça certain que nous continuons de travailler, nous continuons avancer et référendum là, nous passer sous peu n'a communiquer toute population une date qui pour qui possible pour référendum en fait. C'est ça qui fait qu'on y a tout n'a travail sur un protocole, c'est un protocole sanitaire qui n'a fait des concerts avec cellules scientifiques là qui pour dire si référendum si Covid là il continue monter qui position à adopter parce que nous pas capable dit tout parce que il y a Covid là n'a quitté tout restant yo sans nous pas faire référendum ni sans nous pas faire élection n'a gardé des scénarios avec le Covid avec la Covid ou sans Covid ça veut dire n'a pensé nan jou k ap vini yo n'a gagné pour nous communiquer public là mais qui stratégie conseil électoral là lui-même li mettait en place et avec suggestion bien conseil cellule scientifique là n'a dit
mais 1 2 3 4 avec Covid là, mais qui côté n'a pied sans Covid là, mais qui côté n'a pied. Est-ce que tout matériel sensible et non sensible qui était de arriver dans cadre des référendums là et il déjà arrivé, nous pas gagne l'autre cargaison n'attend encore? Oui, nous gagnons un dernier cargaison n'attend. Ça veut dire matériel qui nous gagnons pour matériel qui finit pour 9 départements. Matériel qui finit pour 9 départements, c'est matériel sensible. Là, nous dit matériel sensible, c'est procès verbal, bulletin, etc. Ça veut dire 9 départements, ils sont déjà là en Haïti. Nous gagnons 18 juin pour nous recevoir pour le département de l'Ouest. Vu que le département de l'Ouest a gagné des petits retards par rapport avec des communes qui ont des problèmes que nous tout, que tout le monde dans la population connaît, que nous sommes obligés de prendre temps en plus pour nous chercher l'autre alternative pour permettre que nous jouions des centres qui sont plus appropriés pour nous voter et pour nous voter dans la sécurité, que ça te permette que nous voulons donner ça un petit crasse en retard, que nous-mêmes nous recevoir dernier cargaison pour l'Ouest là, 18 juin. Mais en gros, tout ça pour nous-mêmes nous t'est fait, tout ça pour nous mettre en place, tout est déjà OK pour nous capable respecter date là. Normalement date qui était plus bon pour nous c'est 27 juin. Parce que nous-mêmes nous t'est prêt pour 27 juin si menace Covid n'en pas là et puis tout bon peut-être qu'on y a tout. Le fait est que nous gagne menace tranquille là, nous devons pas regarder qui stratégie pour faire avec la Covid ou sans la Covid. Mathias Pierre bon côté parle, tu es toujours à répondre américain qui t'a fait comprendre yo opposé ensemble avec référendum nan, puisque il fait comprendre que pays d'Haïti c'est un pays souverain. Nous habitué ensemble avec phrase ça puisque Claude Joseph premier ministre pas suspend répéter immédiatement que l'état doit adresser ensemble avec américain yo pour t'a dit que référendum nan vle pa vle li a fait et que c'est celle haïtien qui ka dit yo pa vle yo nouvelle constitution an dan peyi a. Maître André Michel bon côté parle qualifié décision ça que président Jovenel Moïse prend pour ta reconduit premier ministre Claude Joseph nan tête gouvernement comme yon perte de temps puisque là actuellement là gen yon instabilité politique an dan peyi a. Donc 30 jours ça que appelé de renouveler pour Claude Joseph là, li c'est en perte de temps surtout ensemble avec yon président de facto que mandat fini depuis 7 février 2021 et encore une autre fois secteur démocratique là à travers André Michel fait comprendre que yon pas nan ni cohabitation ni élection ensemble avec président Jovenel Moïse et maître André Michel t'a profité mandé population pour yo continuer ak mobilisation yo yon façon non seulement pour yo ka stopper cause référendum ça net aller mais aussi pour yo ka di non contre organisation élection en de pays avec président Jovenel Moïse puisque pays d'Haïti déjà gagne un président de rupture qui c'est Joseph Mécène Jean-Louis Essa Mécène pas gagne ni élection ni référendum c'est transition de rupture là qui a bon pour pays d'Haïti selon maître André Michel alors que Claude Joseph Bocoté parle a supplié opposition pour accepter dialogue ça que président Jovenel Moïse a offri yoa. Pendant que maître André Michel a dit que c'est une perte de temps reconduction premier ministre dans pouvoir et bien jusqu'à présent membre opposition yo poko ka abouti ensemble avec rien après toute rencontre que président Jovenel Moïse même fait ensemble avec yo. UNICEF Haïti rapporté que gen 8500 femmes avec timoun qui réfugié après que te gen guérilla urbaine ça entre groupe armé martisan yo des personnes c'est moun qui a longé men ba yo yon façon pour yo ka rete en vie moun sa yo te obligé quitter kay yo pour yo te wè si yo ta ka sauver vie yo pendant que yo paquet moun après ça pour plaisir a fait comprendre que un bien moun kafou t'est toujours à plein pour blocus un bien kounya la yo gagné la ria libre et libère yo oublié normalement que si des familles que kay yo boulet
et que yo te obligé courir quitter kayo yo façon pour yo te ka joindre la vie yon l'autre fois. L'état poko di rien sou ka sa. L'état poko prend pièce décision qui normal qui solide sou ka moun sa yo ki te obligé quitter kayo yo façon pour yo te ka sauver la vie. Na pati vers sa nou te ka rele yon renouvellement de l'état d'urgence sanitaire puisque actuellement la coronavirus li même li pa vin pou jouer. Secrétaire d'état à la communication en France Exotus ta fait comprendre que mercredi qui a vini là eh bien n'a gagné un renouvellement de l'état d'urgence sanitaire et que bien que ça l'état pas forcé personne respecter règles avec geste barrière yo parce que l'état pas ca sous de monde tout temps yo façon pour la dire mettez cache ou bien laver mais ou bien prend yo mettre distance qui donc c'est responsabilité peuple haïtien pour lui respecter geste barrière yo. Pendant le ministère de la Santé publique là a fait tout ça qui n'a possible, tout ça qui n'a pouvoir li pour yo ka aider gérer pandémie COVID-19 ça qui encore yon l'autre fois tourner yon malè plongé sous tête chaque graine haïtien alors que Haïti te yon pays qui te moins frappé par COVID-19 côté on paquet l'autre pays t'a demandé qui j'en fait que Haïti lui-même lui arriver survivre ensemble avec COVID-19. Et bien actuellement là Haïti c'est un pays qui plus frappé par COVID-19 et c'est un pays tout dans Caraïbes et Amérique latine qui poko recevoir vaccin contre maladie coronavirus. C'est ça qui fait que Japon bay aide ça pour yo ka accélérer processus là. Et Joe Biden t'a fait comprendre tout, eh bien que vaccin c'est un don la pied, il pas besoin rien en retour non mais personne. Mesdames et messieurs, c'est toute information ça que nous t'ai porté pour aujourd'hui. Merci d'être que vous continuez à like, commenter, partager et merci d'être que vous continuez à inviter vos amis ou à vos familles ou abonnés, yon façon pour vous rester connecté ensemble avec bon information. Nous bon rendez-vous pour une prochaine sortie rubrique ça. Bye bye.